L'année dernière, donc à l'occasion des journées de président, j'avais eu l'occasion de vous présenter via un petit fascicule tiré de la réflexion d'un groupe de travail en interne et puis de ma propre expérience personnelle, pourquoi en fait le rapprochement de CGA pouvait être une réponse à la problématique économique, je dirais, de certains centres. À la suite de quoi, aux journées de La Rochelle, avec Éric Messina, nous avions organisé quelques consultations sur le sujet, en marge des ateliers, et devant en fait l'intérêt marqué par certains et notre impossibilité de répondre à toutes les sollicitations, à toutes les questions, on a décidé en fait au cours de ces journées nationales cette année à Paris de réaborder un petit peu le programme. Donc nous sommes en atelier. Pourquoi les trois animateurs, moi-même, Philippe Legault, pour le CGIB, pour le compte du CGIB, nous avons une expérience de centre absorbant, puisque finalement, l'aventure du CGIB, c'est aujourd'hui quatre centres en fait intégrés. Et puis Éric Messina, France Gestion, lui également a une expérience, mais du côté de la société absorbée. Donc vous allez voir au cours de ce petit atelier, on va être amené à faire un petit peu de prospective. Donc à partir de ces prospectives, on va être amené à parler de sujets d'actualité. On ne pouvait pas occulter, les projets en fait législatifs actuels. Bon, cela dit, on se place, nous, au cours de cet atelier, sur un débat plus technique que politique. Bon, je rappelle que demain, au cours de notre assemblée, il y aura une table ronde organisée avec les gens de la DGFiP, Laurent Martel, Christine Mangas et j'en passe. Donc vous aurez tout le loisir de poser ou de leur poser des questions, d'ordre un petit peu politique. Nous, aujourd'hui, on se situe sous l'angle technique. Donc forcément, on va faire de notre prospective, quelque part, un petit scénario, peut-être pas catastrophe, mais quand même, on va essayer d'être assez réaliste. Alors pourquoi on parle de rapprochement de CGA aujourd'hui ? Bon, j'avais déjà eu l'occasion un petit peu d'en parler l'année dernière. Quelque part, on est un petit peu à la croisée des chemins, ou en tous les cas, on peut être, sur la conjonction de trois éléments un petit peu qu'on pourrait dire fondamentaux. Le premier, un élément structurel, c'est la baisse de nos adhérents depuis malheureusement quelques années, voire même, on pourrait parler de décennies. Et deux éléments peut-être un petit peu plus conjoncturels aujourd'hui, c'est quelque part l'accroissement des travaux, l'accroissement des tâches qu'on nous demande de faire, donc qui vont engendrer forcément des charges financières complémentaires. Et le troisième, on va dire quelque part la pyramide des âges qui s'avance. On est tous un petit peu des acteurs des centres de gestion. Dans deux ans, à partir de 2016, on va fêter les 40 ans des centres. Et bien sûr, que ce soit au niveau des membres du personnel que des élus, la pyramide des âges avance. Et quelque part, on a peut-être une fenêtre de tir qu'on ne retrouvera plus dans 3 ans ou dans 5 ans. Donc c'est important aujourd'hui d'y songer, d'y réfléchir. Donc nos propos également ne sont pas des propos, loin de nous l'idée d'imposer quoi que ce soit. On est là aujourd'hui pour réfléchir, pour méditer un petit peu sur notre avenir. Donc on a choisi, pour la présentation de cet atelier, de reprendre un petit peu notre petit fascicule de l'année dernière. Bon, on a un petit peu, amélioré au goût du jour. Donc comme on a un petit peu d'avance, sans tarder, on va peut-être attaquer la première diapo, c'est-à-dire qu'on va essayer de revoir un petit peu, pourquoi finalement on a ou on vit en fait une baisse d'adhérents quasi chronique depuis un certain nombre d'années.
Donc vous voyez, en fait, sur ce qu'on vous a donné, il y a quatre thèmes qui sont un petit peu récurrents, qu'on a depuis des années. Et puis malheureusement, les deux derniers sont des thèmes un petit peu plus d'actualité, mais également qui risquent d'avoir quelques conséquences sur la gestion de nos centres. Donc le passage en société, on le verra tout à l'heure au travers de graphiques. Bon, finalement, depuis, on va dire, 2005, on dénombre une création de 550 000 sociétés nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui est connu. Le régime des micros et de l'auto-entreprise, bon ben on peut pas faire avec. On peut faire avec, je veux dire, c'est malheureusement l'engouement. On va dire statistiquement, en ce qui concerne les micro-entreprises, depuis 2005, on dénombre une création de 220 000 micro-entreprises. Et l'auto-entrepreneur également, depuis 2009, 230 000 créations d'auto-entreprises. Bon, finalement, ce sont malheureusement des populations que l'on n'a pas dans nos centres. La crise économique depuis 2008, ce n'est pas le phénomène, véritablement important, mais bon, elle est là aussi. Donc on a, comme les centres, comme la population, on rencontre des dépôts de bilan. Et les départs à la retraite, je crois que l'année dernière, il y avait eu une petite étude sur le comité économique et social qui prédisait, en fait, sur les 10 ans qui viennent, ce matin, il y a eu des chiffres qui ont été donnés, et 22% en fait, des entreprises commerciales qui allaient en fait disparaître dans les 10 ans à venir du fait du départ de leur patron sans renouvellement, ce qui pouvait représenter en fait 120 000 à 150 000 entreprises. Donc les deux derniers, bon là en fait ce sont des éléments un petit peu de prospective. Je vous propose qu'on les passe très rapidement puisqu'on va les revoir là tout à l'heure au vu en fait d'une enquête qu'on a pu réaliser auprès des centres de gestion. Alors juste peut-être en précision sur ces deux derniers, donc la suppression du délai de reprise. La réduction du délai de reprise de 3 à 2 ans et la suppression de l'article 199 quater B, donc les 915 euros, pour parler simplement. Ces deux amendements, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais ces deux amendements ont été votés à l'Assemblée nationale. Donc maintenant, c'est au Sénat et après, ça repassera en commission mixte paritaire. Bon, maintenant, il ne faut pas se faire de grandes illusions sur l'impact du Sénat et de la commission mixte paritaire. A priori, ces deux suppressions vont être validées. Je pense que demain, M. Martel en parlera beaucoup mieux que nous. Mais a priori, c'est quand même acté là-dessus. Donc voilà. Et après, il y a également la suppression, alors on ne l'a pas mis, la suppression de la déduction intégrale du salaire du conjoint. Mais bon, c'est un peu plus anecdotique. Alors, ensuite, sur le constat, tu veux y aller ? Vas-y. Ah non, bon, je suis parti. Le constat sur les évolutions du nombre. Alors, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous voyez très bien sur les écrans. Ça va à peu près ? Parce que nous, on est à l'envers, on ne voit pas grand-chose. Donc, là-haut, vous avez, pour faire simple, la courbe jaune, la courbe qui monte. C'est les sociétés à l'IS, donc de 2005 à 2012. Donc, vous voyez la progression. Hein. La courbe rouge, ce sont notre potentiel d'adhérents, puisque ce sont les BIC au régime réel. Ensuite, vous avez la courbe verte, qui sont les activités de micro, et la courbe bleue, la petite dernière en bas, qui sont les auto-entrepreneurs au régime BIC. Donc, vous voyez qu'il y a trois courbes qui progressent et une courbe qui baisse. Bon, la courbe qui baisse, c'est notre potentiel.
Juste un petit point complémentaire sur la courbe rouge. Là, vous avez en fait les statistiques de 2005 à 2012. Mais si on reprend l'année 1992, qui est l'année où on a connu le pic maxi de BIC, on était à 1 130 000 BIC. 1992. Là, donc 2012, ça veut dire qu'en 20 ans, on a en fait subi une baisse de 30% en fait de notre potentiel économique. Ça fait en fait une moyenne de 1,52% à peu près par an. Alors ensuite, ce qu'on vous a fait, c'est qu'on vous a détaillé la courbe rouge, donc le potentiel d'adhérents, donc le BIC au régime réel. Donc, et on l'a détaillé en deux courbes, puisque dans les BIC au réel, bien évidemment, il y en a qui sont adhérents, il y en a qui ne sont pas adhérents. Là, on ne vous a mis que les BIC adhérents. Donc, si je reviens en arrière, je crois que, par exemple, on était à 790 000 en 2012. Sur ces 790 000 BIC au réel en 2012, on se retrouve sur la partie adhérent, donc les deux courbes, si j'additionne les deux courbes, c'est les BIC professionnels, la courbe rouge, la courbe là-haut, et les BIC non professionnels. Donc qu'est-ce qu'on constate ? Déjà, premier point, sur nos plus de 700 000 potentiels d'adhérents, on voit qu'il y a un peu plus de 530 000 qui adhèrent. Il y a tous ceux qui n'adhèrent pas. Alors pour déficit, pas d'intérêt. Ceux qui ne veulent pas. Ceux qui veulent être majorés de 25, on va être un peu masochiste quand même, mais bon. Ceux qui ne veulent pas et ceux qui sont essentiellement déficitaires. Derrière, dans ceux qui adhèrent, on voit une nette baisse des professionnels. Donc la courbe rouge, qui est un peu compensée quand même par les BIC non professionnels. Il ne faut peut-être pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on va se faire mal, non ? Il faut en parler un moment ou un autre. Hein. Donc sur les non professionnels, bon, avec ce qu'on vient de dire tout à l'heure sur la suppression des 915 euros, vous avez bien compris que la courbe du bas, ça risque de ne pas durer. Donc il faut mieux tabler sur la courbe du haut, malheureusement. Mais là, je suis juste dans le constat. Hein, donc désolé. On va donner des solutions après, mais pour l'instant, on est dans le constat. Voilà. Vas-y. Voilà. Donc, en fait, si on reste en fait sur ces stats, on voit donc une baisse progressive et relativement stable de nos adhérents depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc 30%. On aurait bien aimé en rester là. Mais malheureusement, autant l'année dernière, les deux derniers éléments, là, je n'avais pas en parlé. Là, cette année, bah, on est un petit peu obligé d'en faire état. Donc la suppression du crédit d'impôt de 915 et le délai de prescription, donc qui va impacter bien sûr les loueurs en meublé, enfin principalement les loueurs en meublé non professionnels et les sociétés à l'IS. Alors le mois dernier, vous avez tous reçu une petite enquête flash que la Fédération vous a adressé pour vous demander un petit peu quel était le nombre de loueurs en meublé professionnels que vous pouviez avoir dans vos centres, le nombre d'IS, le nombre de micros, etc. etc. Il y avait d'autres informations. À l'heure où on vous parle, il y a eu 74 centres qui ont répondu sur 104 ou 105 membres du réseau FCGA. Ça représente à peu près 210 000 adhérents sur 300, donc ça fait à peu près les deux tiers. On va dire que c'était une mine d'informations, une mine d'or, donc on remercie véritablement tous ceux qui ont répondu. Simplement un petit mot donc, pour ceux qui n'ont pas encore répondu au questionnaire, même si finalement l'Assemblée est passée. Moi, j'invite à compléter ce questionnaire parce qu'on en aura encore besoin pour finalement peut-être d'autres missions, en tous les cas d'autres négociations
à suivre. Donc vraiment, ceux qui n'ont pas répondu, je les invite encore à répondre. Donc finalement, Philippe a été un petit peu l'instigateur, Philippe Legault a été un petit peu l'instigateur de ce questionnaire. C'est lui qui a eu à charge également le dépouillement. Donc je vais lui laisser un petit peu la parole parce que vous allez voir, c'est assez édifiant. Alors oui, donc sur cette enquête, je vais encore remercier tous ceux qui ont répondu parce que franchement, un taux de réponse à 75% dans une enquête, c'est quand même pas mal. Alors les résultats sont effectivement assez intéressants et ils sont très significatifs puisqu'on est quand même sur une base d'équivalent 209 000 quelque chose adhérents. Donc on commence à être plus que représentatif. Qu'est-ce qu'on constate ? Que dans les centres, les 74 centres qui ont répondu, il y a près de 24 500 loueurs en meublé non professionnels. Il y a un peu plus de 6000 sociétés IS. Et bon, on avait posé la question en même temps sur les auto-entrepreneurs, qui est assez marginal. Mais bon, pour faire simple, on a additionné tout ça. Et la perte, pour calculer une perte potentielle, malheureusement, c'est une perte potentielle de plus de 30 000. 30 000 adhérents de perte potentielle sur 209 000 adhérents, on se rapproche malheureusement des 15%. 15% de perte au niveau national. Alors, si on a voulu faire une petite extrapolation pour savoir ce que ça allait représenter au niveau de tous les membres de la fédération, donc les 104 ou 105, je ne sais plus exactement, sur les 300 000 adhérents de la fédération, ça fait une perte théorique potentielle de 44 000 adhérents. 44 000 adhérents, une cotisation moyenne d'un peu plus de 200 euros, je crois, de mémoire, dans le rapport de la Cour des comptes, ce qui fait quand même 9 millions d'euros de recettes pour nous tous, en moins. Alors, c'est différemment réparti, mais ça commence à peser un peu. Alors, on a voulu un petit peu aller un peu plus loin quand même dans cette enquête pour savoir qui allait être impacté. 40% des CGA qui ont répondu vont être assez peu impactés, moins de 5%. Et j'allais dire 60% vont être impactés puisqu'ils ont entre plus de 5%. Donc 20% qui ont entre 5 et 10 et 40% qui ont plus de 10% d'adhérents. Avec quand même une petite précision qu'on a quand même 15% des CGA qui vont perdre plus de 25% de leurs adhérents. Et voilà, et on a quand même également 5 CGA qui perdent la moitié de leurs adhérents. Donc pour cela, ça va commencer. Pour cela, le terme de cet atelier, c'est stratégie à court terme. C'est même pas stratégie à moyen terme. Oui, il faut anticiper là. Donc c'est vrai qu'il va y avoir un impact réel sur 60% des CGA, un impact important réel sur 60%. Sur 40%, une baisse de 5% sera peut-être tenable. Maintenant, cette baisse de 5%, elle est aussi additionnée à la baisse naturelle qu'on en a constatée tout à l'heure. La suite de résultats de l'enquête sur la trésorerie. Puisqu'on a dit qu'il y avoir 9 millions d'euros de recettes en moins. On a voulu tester un petit peu la trésorerie moyenne des CGA. Savoir exactement les membres de la fédération, quelle était leur trésorerie réelle, puisque vous avez tous lu le rapport de la Cour des comptes. On a été un petit peu titillé là-dessus, sur nos montants de trésorerie excessifs. On a essayé de faire un petit point. Bon, ça n'a rien d'exceptionnel, hein, puisque la trésorerie moyenne dans les CGA, c'est 140% du chiffre d'affaires annuel, sachant qu'on appelle nos cotisations d'avance. Ça n'a rien d'extraordinaire, je trouve. Ça a pu choquer la Cour des comptes. Nous, ça ne nous choque pas plus que ça. Maintenant, on se rend compte également qu'il y a des structures qui ont quand même quelques soucis de trésorerie. Puisque même en appelant nos cotisations un an à l'avance, on a 25% des CGA qui ont moins d'une année de trésorerie. Et pour certains, moins d'une demi-année de trésorerie. On en a 40% entre 100 et 150, 20 entre 150 et 200, et
uniquement 15% à plus de 200, enfin deux années de chiffre d'affaires, quoi, pour faire simple. Donc voilà, donc là. Alors, derrière, pour terminer notre constat, on a fait, c'est un peu le même tableau que vous aviez vu à la journée des présidents il y a un an, sur les essais de prospective. Alors, il y a juste une petite chute que vous voyez, qu'on en a intégrée sur l'année 2015, qui est la perte de 15% dont on vient de parler tout à l'heure sur la perte des 915 euros et la perte de la réduction du délai de reprise. Donc on a fait une tendance, tout simplement, à partir de l'historique. Donc si on prend la courbe du haut, qui malheureusement est notre courbe au sein de notre centre de gestion, ce n'est que statistique, mais malheureusement on colle quasi parfaitement à cette courbe-là. On est parti à 9000 adhérents en 2005, et on risque de se retrouver à un peu plus de 5500 adhérents à terme. Donc on a fait plusieurs exemples de centres. C'est juste une moyenne, une tendance projetée. On ne va pas rentrer dans les détails calculs statistiques, mais enfin voilà, c'est le principe de la tendance projetée. Voilà, un centre qui avait 5000 adhérents en 2005 risque de se retrouver à 2600 adhérents en 2020. Ça risque des stats, ça risque une moyenne, on est d'accord. Mais c'est juste pour essayer de faire une petite prospective à 4-5 ans, pour voir vers où on va, avec, à mon avis, un petit souci, notamment pour la dernière courbe, pour les structures qui avaient 2000 adhérents dans les années 2000-2005, qui risquent de se rapprocher du seuil fatidique de 1000 adhérents. Voilà. Donc, là enfin... Si tu peux revenir juste sur la courbe précédente. C'est mathématique. Bon, déjà, nous, ce qu'on fait comme premier constat, c'est que, on va dire, à l'image un petit peu de notre propre centre, donc centre qu'on connaît bien, Philippe et moi, donc le CGAIB, on a commencé avec nos quatre centres à quasiment 9000. Et aujourd'hui, à 2000, en 2014, malheureusement, on se trouve déjà statistiquement dans cette, marge statistique. Donc finalement, elle n'est pas si irréaliste que cela. Ouais. Bon. Ce qu'on n'avait pas mesuré l'année dernière, c'était effectivement l'impact des 15% sur 2015. Mais pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les statistiques, c'est-à-dire toujours par rapport à 1992, où on parlait finalement d'une baisse de 30% sur les 20 dernières années. Ici, on est dans le bateau. Si on reprend 2015 par rapport à 2020, mathématiquement, sur 15 ans, on est sur une baisse de 50%. Donc ça veut dire que, je dirais, jusqu'à présent, on s'était quand même un petit peu adapté à cette, quelque part, baisse progressive de nos adhérents, mais c'était régulier, sauf que là, on a un petit peu le sentiment quand même que, quelque part, la courbe ça grave un petit peu. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du constat. C'est pas réjouissant, on le connaît, ça fait déjà des années qu'on en parle, mais à ce stade, je dirais, de l'atelier, on est entre nous. Est-ce que ça suscite de votre part des questions, des réactions? On est là un petit peu aussi pour répondre à votre questionnement. Sinon, on continue. Ils sont parvenus, les hôtesses? Pas de questions. J'ai perdu les hôtesses. Je vais faire l'hôtesse, tant pis. Oui, juste, puisque ces données statistiques sont intéressantes, est-ce que vous les avez communiquées à notre administration de tutelle? Non, puisqu'en fait, le questionnaire date de d'hier. Moi, j'ai en fait un rapport
de trésorier à faire. Je ne sais pas si notre administration de tutelle sera là. En tous les cas, pour la première fois, j'ai dû changer malheureusement ma conclusion. Et donc demain, je ne ferai pas la même conclusion que ce que j'avais prévu dans mon rapport, puisque nous, on est impacté aussi à partir de 2015. Puisque nous, en fait, rapport de trésorier, je suis obligé un petit peu de parler aussi des comptes de la Fédération 2015. Bien sûr, si en fait on a dans le réseau FCGA une baisse de 10 à 15% d'adhérents, bah moi, en tant que trésorier, je vais être impacté aussi. Donc forcément, je vais être amené à en parler un petit peu. Donc j'espère que notre tutelle sera là demain à notre assemblée. Mais elle sera là, puisque de toute façon, il y a la table ronde qui est juste après la matinée, après l'Assemblée générale. Donc j'espère que... C'est vrai que ces chiffres-là parlent et que même nos correspondants parlementaires, on a intérêt à leur montrer, parce que si les trois amendements qui ont été déposés, qui ont été votés par l'Assemblée nationale passent, on voit bien qu'à terme, c'est la mort des organismes agréés. Ah, c'est, voilà, enfin, une mort lente, mais c'est une mort quand même. En l'état actuel des choses, on ne peut que rester sur ces stats. C'est pour ça aussi que c'est important que, bah, finalement, par rapport au questionnaire, ceux qui n'ont pas encore répondu, là, les 20 ou 30 centres, je les invite vraiment à répondre, parce que plus on aura en fait une information exhaustive et fiable, bon, ça pourra effectivement peut-être nous servir, bah, je dirais, dans le débat avec nos amis de la DGFiP. Voilà, excusez-moi, juste une petite précision pour répondre à la question de notre ami. Ils sont au courant. Hein. Donc l'information a été transmise à Laurent Martel sur les voilà, c'est une information que tu n'avais pas. Hein, donc je viens de l'entendre à l'instant. Voilà la question. Oui, ils sont au courant. Ils sont bien conscients. De la problématique. Après, je ne sais pas, ils apporteront demain les réponses qui conviendra ou pas, mais ils sont avertis. Hein. En tout cas, on a transmis. Je te passe la parole. Je fais l'introduction, mais je te passe la parole. Oui, dans le questionnaire que vous avez établi, qui est très super, mais je pense qu'il manque une autre dimension, c'est les indemnités de licenciement qu'on aura supportées en cas de mise de rupture complète d'un centre de gestion agréé. Nous, on a fait le calcul au CGA de Montpellier, c'est 500 000 euros avec la convention collective telle qu'elle est prévue. Et je pense, par rapport à l'observation de la Cour des comptes sur la trésorerie excédentaire, ça serait une dimension à intégrer, ainsi qu'également un autre point qu'il aurait fallu voir, c'était le traitement des IFC dans nos centres de gestion. Nous, on a fait des provisions, donc ça n'impacte pas la trésorerie. D'autres centres ont pu faire des couvertures par assurance, ça aussi, ça peut avoir des incidences sur la trésorerie. Donc ce sont deux pistes qui, à mon sens, il faudrait rajouter dans nos débats, puisque ça va être une dimension qu'il va falloir intégrer. De fait, ils le savent. Hein. Simplement, dans le rapport de la Cour des comptes, ils ont mélangé tous les centres de gestion. On n'est pas forcément... Voilà. La FEDE, vous avez vu les stats, 140%. C'est à peine suffisant, on le sait bien. Hein, trésorerie d'avance, les PCA. Mais il y a peut-être d'autres organisations où l'excédent est largement... Et malheureusement, comme toujours, on sert d'exemple. La FEDE n'est pas les autres sans voix, donc, mais ils le savent. Hein. Deux petites questions sur vos statistiques. Vous parlez des loueurs en meublé non professionnels. Qu'en est-il des loueurs de fonds et des artisans et commerçants qui sont en dessous des chiffres et qui bénéficient aussi des 915 euros ? Alors, malheureusement, on l'a traité, mais dans le questionnaire, on a eu un petit souci de traitement. La question n'a pas été obligatoirement très bien comprise, donc les réponses ne sont pas super fiables. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas intégré. Maintenant, c'est vrai que les activités professionnelles qui bénéficient des 915 euros... d'après les chiffres que j'ai pu voir, représentent en gros près de 10% des adhérents. Parce que chez nous, en fait, on n'est pas tout à fait sur ces chiffres-là, mais ça double les deux points que j'ai soulignés, la perte. Oui, ce qui fait qu'on arriverait, nous, globalement, à une douzaine de pourcents. Ouais. En intégrant les LMNP, les loueurs de fonds et les artisans commerçants inférieurs à certains chiffres.
sans parler éventuellement que ça peut faire prendre conscience à certains adhérents déficitaires, que ils ont peut-être un petit peu moins intérêt à adhérer, ou d'autres situations qui pourraient encore accentuer la déperdition. On n'a pas voulu l'intégrer pour une raison assez simple, c'est que je ne suis pas sûr qu'ils vont partir. Ces activités professionnelles, alors c'est le coiffeur, le tâcheron, enfin le petit bar, ce genre d'activité. Hein. Il y a quand même la majoration de 1,25. Autant le loueur en meublé non professionnel, par définition, il a un résultat zéro. Donc, lui, il vient que pour les 915 euros. Donc, à partir du moment où on supprime les 915 euros, je crois qu'on ne prend pas grand risque en disant qu'ils vont partir. Autant pour les professionnels, le départ va être plus compliqué. Et ce qui ne veut pas dire qu'on aura peut-être... les adhésions vont peut-être se tarir. C'est-à-dire que si on n'a plus... l'entrée dans l'impôt risque d'être repoussée. Ce qui va faire que les adhésions ne vont peut-être pas être exceptionnelles l'année prochaine. Mais des départs des BIC pro qui bénéficient des 915 euros, je ne suis pas sûr. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'intégrer dans le calcul. Là, c'est juste la perte nette minimum. Bien, donc voilà en fait un petit peu ce qu'il en est un petit peu du constat. Donc si je reprends un petit peu mes propos de tout à l'heure, je disais qu'il y avait un élément structurel, donc c'était la baisse chronique de nos adhérents, accrémenté d'un élément un petit peu conjoncturel, c'est celui qu'on vient de voir avec la conséquence un petit peu des 15%. Donc je dirais comme chef d'entreprise, comme tout chef d'entreprise qui serait respecte, on pourrait imaginer que finalement, en tant que président de centre et autres, on va se dire finalement, on a une activité qui se réduit, donc on va quelque part peut-être s'adapter et puis réduire la toile. Mais le deuxième problème un petit peu conjoncturel aujourd'hui que l'on a, c'est un petit peu ce dont j'avais fait état l'année dernière, mais qui également finalement a un petit peu tendance à s'amplifier cette année, c'est qu'on s'aperçoit qu'on nous demande, ou on va nous demander, de faire de plus en plus de choses, quoi. C'est-à-dire qu'on a des recettes qui baissent, et puis de l'autre côté, on a des charges ou un volume de charges qui est en train d'augmenter. Je te laisse la parole. Oui, Claude. Oui, malheureusement, donc le constat, un autre constat qui va dans le même sens. Augmentation des missions, vous savez bien, on a eu déjà le contrôle formel et les ECCV de TVA, le fameux CRM, et maintenant donc on se prépare des nouvelles missions, les contrôles des pièces justificatifs. Nous sommes en pleine négociation actuellement avec Bercy par rapport à ce qu'ils appellent contrôle des pièces justificatifs, la dématérialisation donc, concernant les primo-déclarants, les nouveaux impôts, contrôle CVAE, CICE, taxe d'apprentissage, travaux de contenu, etc., donc de missions complémentaires. Tout ça actuellement est en négociation avec Bercy, sachant qu'une synthèse est prévue de mémoire le 4 décembre. En résumé, c'est malheureusement simple. Moins d'adhérents, plus de missions. Conclusion, risque économique à moyen terme. Le moyen terme, c'était notre fascicule de l'année dernière. Là, on a été peut-être un petit peu feignant. On l'a laissé un petit peu comme tel. Malheureusement, ce qu'on a vu tout à l'heure, peut-être que pour certains centres, le risque économique peut être au-delà du moyen terme, voire du court terme. Alors, donc, on arrive un petit peu, là, après ce constat, un petit peu au cœur de notre sujet, parce que, bon, c'était déjà, je dirais, un discours que l'on a tenu l'année dernière. C'est que, après avoir, bien sûr, comme là aussi, tout chef d'entreprise, essayé un petit peu de réduire un petit peu la toile de nos charges pour s'adapter à cette baisse chronique de chiffre d'affaires. On l'a tous fait, nous, à la Fédération, on l'a fait depuis 3 ans aussi, essayer un petit peu de s'adapter au niveau de notre masse salariale. Mais la problématique, c'est que finalement, on va arriver très vite
aux limites du système, puisque bah, de toute façon, il va falloir que, comme on est à la croisée des chemins, accroître un petit peu le volume de nos charges. Donc, de toute manière, il va falloir qu'on trouve d'autres systèmes d'économie. Donc, bah, ces systèmes d'économie, c'est un petit peu le message qu'on essaye un petit peu de donner, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on peut éventuellement faire en sorte de se rapprocher. Est-ce que finalement, aujourd'hui, un centre de 1500 ou 2000 adhérents a toute sa légitimité? Enfin, je pèse mes mots quand je dis ça, bien sûr. Hein. C'est avec une extrême prudence. Mais est-ce que finalement, par des rapprochements de structures, on n'a pas des économies de moyens à trouver? Donc, bah, ces rapprochements de structures, elles sont graduelles. Hein, on en avait un petit peu parlé déjà l'année dernière à la journée des présidents. C'est la mise en commun de partenariats. Voilà, c'est se rapprocher sur éventuellement des missions. Ensuite, ça peut être en fait un rapprochement un petit peu plus important qui pourrait être en fait la création d'un GIE entre certains centres. Et la dernière, ben, finalement, c'est l'intégration globale, c'est éventuellement la fusion. Je ne sais pas si tu veux parler du partenariat. On essaye. Ou toi ? Au niveau, donc, pour revenir donc, aux trois cas, donc mise en commun de services, GIE ou rapprochement fusion. Donc pour la mise en commun de services, bon, le truc classique que tout le monde a dû faire, je pense, en tout cas moi j'avais commencé à le faire, sur quelle activité mission accessoire en 2015, évidemment, on ne sait pas encore, en espérant qu'ils ne vont pas nous le supprimer. A priori, je pense qu'on a bon espoir de le laisser en accessoire. La formation. Donc c'est vrai que maintien des formations, annulation pour trois participants, si on est trois CGA, ça en fait neuf et on maintient la formation. C'est vrai que très souvent, on arrive à faire des formations communes, pour ma part, ce que j'ai fait entre CGA et AGA, par exemple. C'est vrai que les lois de finances peuvent être faites avec... voilà, donc c'est comme ça qu'au début, on a pu faire ça. De l'information également, type CGA contact, des mises en commun, de newsletter par mail, coût faible. Bon. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est ce qu'on peut faire pour pouvoir limiter le coût. Également, bah, la limite, bien sûr, bah, c'est pas forcément simple, indépendant des OGA, notamment lors des audits. C'est vrai que Bercy n'appréciait pas trop. Les gains financiers sont relativement faibles. Et puis c'est vrai, de nombreuses unions régionales ou unions informelles ou rapprochements avec des AGA ont déjà été réalisés ce type de mise en commun avec des résultats encourageants. Bon, c'est vrai que la mise en commun de formation est un critère que tout le monde fait naturellement. Mais c'est vrai qu'honnêtement, gains financiers sont relativement faibles. Ça peut être, disons, un début. En matière GE, association, donc sur quelle activité, toujours pareil, hein, le risque d'activité accessoire, hein, on rappelle que pour l'instant, ce n'est pas encore défini. Je pense qu'on a quand même bon espoir qu'on va les garder, mais il ne faut pas oublier que dans le rapport de la Cour des comptes, vous avez préconisé de ne pas faire ces activités-là et de nous reconcentrer sur l'activité fiscale. Mais bon, je pense que les négociations en cours devraient permettre de pouvoir garder de manière accessoire ces formations, informations. Tant que ça ne gêne pas nos obligations fiscales. En un mot, c'est ça, si on peut résumer la tendance qui est en train de se décider à Bercy. Donc la formation, donc même topo, hein, même raisonnement. C'est vrai que pour un GIE, bah, à partir de là, on peut faire également de l'information. Information, même raisonnement. Par contre, on va plus loin que la formation et l'information. On peut être au commun des outils techniques, l'informatique, par exemple, ou des outils de... Donc c'est vrai que ça peut être un moyen un peu plus financier de pouvoir mutualiser des coûts et de pouvoir limiter le coût. Et comme actuellement on cherche des réductions de coûts, c'est un moyen de réduire nos déficits. Ouais, l'informatique, c'est pas neutre hein, quand même, parce que ça peut être effectivement tout l'environnement informatique, donc le matériel, la maintenance et éventuellement un technicien, le développement, donc, salarié. Le développement, les contrôles, le paramétrage des contrôles, donc c'est devenu un boulot énorme dans les CGA.
C'est loin d'être, d'être négligeable. Et puis, bon, bah, finalement, ça répond un petit peu, on le verra tout à l'heure au niveau de la fusion, ça répond un petit peu au semblant souci d'indépendance quand même des centres, puisque on verra dans la troisième partie, il y a quand même un élément psychologique qui est important, très important au niveau des fusions de structures. Si on reprend les avantages donc, concernant les JE, donc, les avantages, c'est que c'est vrai que par rapport à tout à l'heure, c'est quand même une structure formalisée. Donc c'est vrai que ça permet d'être relativement formel. Des gains financiers non négligeables. Et ça peut être le début d'un éventuel rapprochement. Pourquoi pas fiançailles avant le mariage. Oui, c'est vrai que c'est une bonne... Par contre, les limites, c'est vrai qu'un JE, c'est quand même souvent compliqué à gérer dans le temps. Et puis, on a quand même un problème de politique. Ce n'est pas forcément les mêmes politiques dans les CGA. Et ça ne va pas obligatoirement à 100% dans le même sens. Après, on passe directement à la troisième possibilité, c'est carrément la fusion. Alors là, l'avantage, c'est classique. Ça répond à la problématique d'économie d'échelle. Informatique, maintenance, éventuellement locaux, si dans la même ville, formation, information... Avantage, toujours, répond à la problématique de pyramide des âges, car c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de CGA où certains salariés ont commencé à avoir un certain âge avancé, et peut-être que dans le cadre de départ, par exemple, de directeur, c'est l'occasion de fusionner à ce moment-là, ou d'administrateur qui arriverait également à un certain nombre d'âges, qui peut arriver aussi, et ça peut être le moyen de fusionner des centres de gestion par rapport à ça. Hein, beaucoup de permanents ont entre 25 ans et 40 ans d'ancienneté, et même avec l'allongement des durées de cotisation, beaucoup d'OGA vont se retrouver avec 40 ou 50% des effectifs qui vont partir en retraite entre 2015 et 2020. Donc c'est maintenant qu'il faut peut-être réfléchir à cette possibilité de fusion, sans pour autant faire un problème de, disons, problème social. Juste pour rajouter quand même, enfin, cet élément de pyramide des âges, c'est le troisième critère que j'ai donné tout à l'heure en introduction. C'est vraiment l'élément fondamental pour lequel aujourd'hui on est en train de parler de fusion. Pourquoi on n'en parlait pas il y a 10 ans, même si nous, on a été, en fait, dans nos centres les précurseurs, puisqu'on a fait notre premier rapprochement en 2006. Mais finalement, ce critère, en fait, aujourd'hui, de pyramide des âges, et quand on parle à la fois, bien sûr, des salariés, mais on peut parler également des élus, quoi. C'est-à-dire que, de toute façon, il ne faut pas se faire d'illusions, on est sur des associations. Une association, c'est un conseil d'administration, c'est un bureau, c'est un président. La fusion de deux centres, c'est un conseil d'administration, c'est un bureau, mais il y a deux présidents, quoi. Et en fait, la plupart du temps, on se heurte à cette problématique, on va dire, psychologique. Peut-être un petit peu, moi j'aurais tendance à dire de bas étage, parce que finalement en 2006, là j'ai repris la présidence du CGAIB, mais en fait en 2006, avec le président Pavio, quand on s'est rapproché, quand on s'est vu pour la première fois, le premier critère qu'on avait posé, la première norme qu'on avait posée, c'est de dire finalement on se retire tous les deux. Et donc c'est Jean-Paul Moisan qui a repris en fait la présidence du CGAIB jusqu'à l'année dernière. Mais si en fait on n'avait pas fait cette démarche-là, je pense qu'aujourd'hui on serait toujours, je serais toujours peut-être président ou pas du CGAB, parce qu'on aurait continué à baisser en termes d'adhérents, et puis le CGA2I aurait fait exactement la même chose. Et là, de toute façon, en tant que président, il y en a quand même certains, enfin moi je suis le premier, hein, je sais que dans 5 ans, dans 10 ans, je ne serai plus là, et bien plutôt que d'aller chercher un jeune, un autre président, et puis finalement le collègue, pareil, qui va partir en même temps, qui va aller chercher un deuxième président, pourquoi ne pas finalement faire la démarche active de se dire, par rapport aujourd'hui à ce qui se passe, est-ce qu'on n'a pas intérêt à construire un nouveau modèle, un modèle finalement en se regroupant, en fait, en cherchant en fait les économies d'échelle,
Et les économies un petit peu de discussion finalement à non plus finir avec finalement cet aspect un petit peu politique des choses, quoi. Donc, même chose quand même au niveau salarié, parce que ça, c'est important également. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait un collègue qui parlait au fait de coûts sociaux, de licenciements et autres. Bon, on sait malheureusement que ça peut arriver, mais il est clair que finalement, c'est peut-être plus facile par rapport finalement à une pyramide des âges avancée où on sait que de toute façon, dans 2 ans, dans 5 ans, un certain nombre de salariés vont partir, et notamment les directeurs. Et là, c'est, je dirais, la deuxième problématique. La première, c'est le président. Le deuxième, c'est le directeur. Eh bien, plutôt que d'aller chercher, de remplacer le personnel descend poste à poste, eh bien, c'est là aussi d'examiner avec ses collègues. On se connaît dans les régions, on arrive, on peut être capable de discuter, de voir s'il n'y a pas des possibilités, on va dire, d'optimisation de l'organigramme, en fait, cumulé de chaque centre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est vraiment à la croisée des chemins. Dans 2 ans ou dans 5 ans, ça sera peut-être trop tard. Le personnel aura été renouvelé. Pour certains, il y aura eu des licenciements, etc. Et chacun va repartir dans son centre avec finalement des charges individuelles. Et on sera peut-être passé à côté de quelque chose d'important. En tous les cas, c'est le message qu'on a déjà commencé à donner l'année dernière et qu'on redonne cette année avec plus d'acuité. Pour exemple, dans notre centre, en 2020, nous, on a 7 analystes au centre. En 2020, il m'en reste plus qu'un analyste. Ils seront tous partis en retraite, les autres. Donc c'est vrai que va se poser la question de est-ce qu'on recrute, parce qu'il faudra quand même bien faire le boulot, ou est-ce qu'on se rapproche. Les deux solutions sont envisageables, mais c'est vrai que c'est plus facile dans une situation comme ça que de partir avec des salariés qui sont déjà plus jeunes, où c'est plus compliqué. Donc voilà, c'est un petit peu la conclusion, hein. Enfin, anticipation et négociation. Donc anticipation, c'est pour ça qu'on en parle un petit peu aujourd'hui. C'est en fait ne pas raisonner en fait dans l'urgence, hein. On peut avoir 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans pour s'adapter. Forcément, il y a un peu l'aspect négociation, parce que nous sommes quand même dans des systèmes associatifs avec sa lourdeur, c'est-à-dire que on peut avoir les présidents qui vont parler entre eux, qui seront d'accord, mais en fait, après, le président, il va falloir qu'il en parle à son bureau, et puis une fois que le bureau est d'accord, il va falloir qu'on en parle au conseil d'administration. Donc en fait, on peut avoir des phénomènes de semaines, de mois avant que les décisions se prennent. Donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il faut en fait penser la stratégie ou en fait votre futur centre. Mais j'aurais tendance à dire, une fois que les élus sont d'accord entre eux, c'est-à-dire que voilà, tout est OK au plan politique, entre guillemets. Bon, les deux dernières phases, c'est-à-dire la préparation. Préparation, c'est quoi? C'est le volet social, c'est-à-dire voir si finalement on est tous sur les mêmes règles, les mêmes règles sociales. Le volet juridique, bien sûr, au niveau des statuts. Le volet financier, etc. Le volet, on va dire, technique, l'informatique, les locaux. Mais je dirais, ça, c'est sincèrement, enfin, moi, ça me paraît être 20 à 30% des difficultés. Et une fois que tout ça s'est réglé, bon, après, c'est le juridique, c'est la fusion. Et là, Philippe, il peut donner son, on va dire, son vécu de directeur avoir intégré. C'est vrai que nous, on intervient sur les parties anticipation, négociation, préparation. C'est vrai que c'est un peu plus les politiques qui interviennent. En tant que permanent, on intervient plus sur les aspects pratiques, informatiques, personnels, locaux, ce genre de choses. Mais ça, c'est vrai que c'est
j'allais dire, c'est pas très très compliqué à mettre en place. Il faut juste l'anticiper. En gros, il faut à peu près une année. En une année, ou un peu moins d'une année, on arrive à tout caler pour mettre en place une fusion dans ses aspects pratico-pratiques. Alors, bien évidemment, si vous avez des questions sur les aspects pratico-pratiques, on sera à votre disposition. Hein. Les renumérotations des fichiers, du registre d'adhérents, enfin tout genre de choses. C'est que de la technique, c'est pas très très compliqué en soi. C'est vrai que nous au CGIB, donc on est issu de, donc on a fait 3 fusions sur le CGA, et moi j'en ai fait également une sur l'AGA. Donc c'est vrai qu'après 4 fusions. On commence à avoir un peu d'expérience, on reprend le même canevas et ça roule, ça va assez vite. C'est vrai que ce n'est pas évident, parce que notamment pour ma part, donc moi j'ai vécu les 2 expériences. D'abord j'ai commencé à absorber, puis après j'ai été absorbé. Première expérience, c'était il y a très longtemps, c'était en 2005 ou 2006. À l'époque c'était relativement rare, on avait demandé un agrément à Bercy, parce que c'était pas simple en plus. Et à l'époque, on a eu la chance, maintenant c'est plus autorisé, je suis sûr, on pouvait agréer, la perte reportable était agréée au niveau fiscalité, maintenant c'est interdit. À l'époque, les fusions et associations n'étaient pas vraiment claires, et à l'époque, donc Bercy nous avait autorisé à récupérer les pertes fiscales qui maintenant ne sont plus autorisées. Le vrai problème, je crois qu'on l'a résumé, c'est absorber, c'est le même problème. Le problème, il est uniquement psychologique. Je reconnais quand on est du côté absorbant, c'est relativement simple. La première fois, c'était simple, puisque on a absorbé, finalement, on a récupéré 500 adhérents et une trésorerie. Donc, c'était pratique. On avait négocié que tout le monde s'en va avant et récupère tout. Donc, c'était très facile dans ce sens-là. De l'autre côté, c'était moi qui étais le président à l'époque d'un centre de gestion dans le 92. Et pour pouvoir décider une absorption, j'ai eu l'impression d'être dans le film, vous savez, les 12 jurés, où j'étais le seul à vouloir être absorbé et 11 administrateurs qui disaient « pas question ». Et après, en comprenant toutes les problématiques, notamment le problème, il y avait des changements, c'était en 2012, donc les nouveaux, on n'avait pas de directeur non plus, on était également dans des nouveaux outils qui arrivaient, une nouvelle obligation. Et petit à petit, j'ai réussi à convaincre les administrateurs d'accepter. Certains, en plus, avaient un certain âge avancé, donc ne voulaient plus être administrateurs. Et avec donc France Gestion, nous avons réussi à trouver un terrain d'entente, y compris à reprendre des administrateurs, les plus jeunes qui voulaient rester. Et l'équipe a été reprise intégralement sans aucun problème. Mais c'est vrai que psychologiquement, c'est vraiment compliqué à gérer. Et bon, on avait aussi la chance de ne pas avoir de directeur. Peut-être avec un directeur en plus, 2 directeurs, peut-être que ça aurait été un peu plus compliqué. Mais bon, globalement, le vrai problème pour moi, c'était le problème psychologique. C'est que ce soit salarié ou que ce soit également... Moi, pour moi, je n'avais pas l'état d'âme par rapport à la fonction. Président, je suis président, c'était pas pour moi une contrainte. J'ai pensé simplement qu'au bout d'un moment, quand j'étais déficitaire, j'avais une trésorerie relativement importante. J'aurais pu tenir, franchement, entre 8 et 10 ans. Mais concrètement, on est quand même des chefs d'entreprise. J'avais un déficit d'exploitation qui m'a permis de réfléchir et d'anticiper. Voilà, tout simplement. Y a-t-il des questions ou des réflexions ou des expériences autres dont vous voudrez nous faire part? Oui, bonjour, Didier Custeau, vice-président du centre de gestion du Dauphiné. Je suis adhérent, hein, donc chef d'entreprise. Donc effectivement, depuis 20 ans que je suis au centre, aujourd'hui, on est dans une situation que les entreprises connaissent. Hein, les centres, je dirais, on a presque l'impression, certains ne la découvrent pas, ils l'ont déjà vécu, fusion, absorption, soit. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut être réaliste, et c'est les conférences qu'on a eues ce matin nous l'ont montré. L'histoire, c'est... C'est pas rester dans son coin. L'histoire, c'est de se regrouper. Alors, j'avais au départ une question, ça aurait été de dire quelle est la taille critique. Mais en fait, ça n'a pas de sens, une question comme ça. Parce que une taille critique, ça dépend du centre, ça dépend de sa structure d'adhérents, LMNP, les artisans commerçants, ceux qui sont présents et qui y restent. Donc, et ensuite, c'est la structure du personnel qui est atteint à l'intérieur. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est de regarder le problème, parce qu'un centre est dirigé par des élus, dont je fais partie d'ailleurs.
Donc effectivement, la vraie question qu'on doit se poser, c'est nous sommes des chefs d'entreprise dans nos centres. Nous avons des salariés. Donc c'est l'avenir aussi de ces salariés qui est en jeu. Parce que nous, les élus, on n'est plus élus demain, c'est pas un champ, ça ne changera rien. Moi, je serai toujours chef d'entreprise. Mais les salariés, eux, ils ont une réalité. Alors, effectivement, quand ils ont fait quand ils ont étudié les comptes et qu'ils ont vu les excédents de trésorerie, c'est sûr que, effectivement, ça peut choquer de voir des structures qui sont bien gérées avec de l'argent. Alors ça, effectivement, ça a dû leur faire bizarre à Bercy. Mais effectivement, ça peut arriver. Et c'est le cas des centres de gestion. Donc si on est capable de pouvoir gérer dans de bonnes conditions, je crois qu'aujourd'hui, notre rôle et notre devoir vis-à-vis et des salariés et des adhérents qui sont en face, c'est de pouvoir vraiment créer les conditions de ces fusions, pas forcément des petits qui ont des problèmes avec des qui en ont moins, mais aussi des structures beaucoup plus importantes, où demain, c'est la mutualisation des coûts pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre et pour pouvoir prospérer aussi. Donc je pense que là, effectivement, il y a un vrai travail d'accompagnement et d'information auprès des centres de gestion pour leur montrer que l'avenir, c'est pas de rester dans son coin, c'est effectivement de pouvoir se fédérer demain pour être plus fort, parce que c'est ça la vraie réalité. Voilà la réflexion que les choses me donnent. Merci. Tu viens de donner, je dirais, notre conclusion, beaucoup mieux que ce que l'on aurait dû, enfin, ce qu'on aurait pu faire, puisque de toute façon, c'est le message qu'on a voulu faire passer aujourd'hui. Mais on est en fait tout à fait en phase, sauf que finalement, le seul point par rapport au volet social que l'on évoque aujourd'hui, c'est de dire par rapport à cette pyramide des âges, parce que si on avait évoqué ce même problème il y a 10 ans, je pense que là, vis-à-vis du personnel des centres, on aurait été beaucoup plus en difficulté, entre guillemets, parce qu'effectivement, il aurait fallu envisager soit des licenciements pour motifs économiques, etc. etc. Philippe Legault vient de le dire, donc l'exemple un petit peu du CGAIB, où en fait, dans les 3 à 5 ans, on a quand même un certain nombre de collaborateurs qui vont partir en retraite, donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'aller voir les collègues après et d'examiner en fait ensemble quel est l'organigramme économique finalement de centres, entre guillemets, fusionnés, avec sans doute aussi forcément encore de la recherche de gains de productivité, la recherche d'économie de charges de structure, etc., etc., mais exactement comme un chef d'entreprise. Il y a d'autres questions ? Oui. Jean-Luc Cadiot, donc centre de gestion de Nantes, Loire-Atlantique. Moi, je m'exprime parce que sur deux axes, sur le volet d'abord la CCI, donc j'ai connu les péripéties des CCI actuellement, où on vient de pomper quand même 1,5 milliard dans les caisses, ce qui va entraîner 2 000 licenciements à moyen terme, pour le savoir, ça c'est un gros problème. Et je tiens quand même ici à signaler que c'est aussi de notre faute, CCI, parce qu'on n'a pas su prendre les bonnes décisions au bon moment, parce que je pense que si les CCI s'étaient structurées nationalement, en faisant une CCI par département, en balayant devant leur porte, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc ça, il faut le dire, c'est que les centres de gestion aujourd'hui, vous êtes aussi, nous sommes, devant cette même responsabilité, où il faut qu'on réfléchisse, parce que demain, l'État nous charge de plus en plus de missions et va nous pomper ce qu'on aura dans les centres de gestion, peut-être l'année prochaine ou l'année d'après. Ça, il faut quand même le savoir. Pour ce qui nous concerne à Nantes, on est tous... Moi, je suis un ancien président. Maintenant, j'ai passé la main à un expert comptable. Je suis chef d'entreprise. J'ai vécu il y a 7 ans, à Nantes, des licenciements, 2 personnes sur le centre. C'est très douloureux, ça coûte très cher. Et donc, je pense qu'il vaut mieux réfléchir à des rapprochements, comme nous venons de le faire aujourd'hui avec une AGA sur Nantes. Ça nous a permis d'avoir un directeur commun, ainsi de suite. Est-ce que c'est le bon système? Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. Mais je pense qu'il faut qu'on ait en tête, en permanence, qu'on n'est pas là pour exister, nous, présidents, par rapport à un centre. On doit construire de façon sereine l'avenir avec nos collaborateurs, comme disait tout à l'heure le Philippe dans les centres, ou un autre, le monsieur devant qui a dit, le destin est entre nos mains. Mais soyons réalistes et faisons en sorte de pérenniser le peu qui reste encore dans nos centres, de façon collective et intelligente. Plus de questions ? Alors, s'il n'y a plus de questions, on va faire la pause.